on a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. Bon, je n'ai pas gagné d'autres castors. And he began to speak. Il est récite. C'est mon deuxième que je prends une suite. Prends du temps. Ça va en être de l'autre bord. Là. Il y a un petit bout là-bas. So if you don't mind the saying, I can see you're out of aces. Il reste là. Je pensais que c'était celle de suite, mais celle est trop vieille. Elle est défrichie, mettons. C'est mon deuxième, fait que je vais enlever mes pièges ici. On va garder la place l'année prochaine. S'il y en a d'autres. D'après moi, il y en a peut-être juste deux parce qu'il d'habitude, il referme la. Il referme la. Puis le petit bref, d'habitude. C'est sur un autre casse compagnie des 300 ans. Je fais ça, puis je retourne au chalet. Fait que c'est ça qui finit ma journée. Je suis venu pour moi assez ici aujourd'hui. Je vais aller faire ma motron. Fait que salut! Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep, cause every hand's a winner. Oh, ben, j'ai pogné un bison à la base. Il a bloqué le petit schneid. Ben, pas le schneid, mais le petit ruisseau ici. Ça a écoulé du lac. Gros bison. Pas de quoi pour qu'il passe entre, dans le 330 pieds, là. J'ai chanceux, j'étais pogné juste par les fesses en arrière. Je prends ça, puis je l'ai installé mon 330. Ça fait pogner d'autres petits bisons à ma pause, comme ça. Du rat, whatever. Qu'est-ce qui veut bien passer par là? When you're sitting at the table, there'll be time enough counting. When the dealing's done, you got to know when to hold up. Know when to hold up. Encore une petite rade. Daniel Boone, Daniel Boone, par la suite et le récit, la légende et l'histoire de Daniel Boone. Le couteau à la main fait son chemin